Attention les stations fréquence pour Dundee 33, 14 km, 33-01 opérateur Rémi qui lance appel en mobile pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Il est vrai que maintenant il y a de la propague, là ça va pas être gagné pour ce soir, ben, on verra bien. En tout cas, là, tout à l'heure, j'ai entendu la Guyane française passer. C'est bon signe. On voit qu'on va vers, qu'on remonte, là, tout doucement, là, du côté de la propague. Oui, il est 73, Eric. 73, Rémi, ça va bien. Eh bien, là, je suis au pro. Je suis en mobile et sur le QSO, donc c'est parfait. Je peux pas espérer mieux. Ah, c'est au pro, d'accord. Ok. Oui, voilà, c'est un peu particulier ce soir. Voilà, comme hier soir d'ailleurs. Là, j'ai, ça fait longtemps que c'était pas arrivé. J'ai l'avantage de pouvoir bosser là, avec le véhicule. Donc là, c'est sûr que j'en profite. Si tu parles du pocket, j'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Hein. Cette semaine, entre le pro le jour, puis après basculer en nuit, ça reste pas beaucoup de temps pour le reste. Ok, je crois que tu as vu un bruit derrière. Oui, le bruit, c'est là-bas. Ouais, il y a eu un break en avant. Ouais, c'est pas Loulou, c'est pas Loulou. Ah si. Ok, Loulou, le 73, ouais, mais je suis avec Charlie. Je ne sais pas de quel côté il est, en push mobile au pro, là, je ne sais pas de quel côté il est, Olivier. Ok, je suis dans les environs de Saint-Émilion, sur une hauteur. Je pourrais monter un peu plus haut, mais ça risque d'être compliqué, et puis le client risquerait bien de ne pas être content. Mais bon, déjà, là, je suis sur une butte, dans les environs de Saint-Émilion. Monter à l'arbre. Ah oui. Il y a Doudou derrière, les 73. Ouais, c'est toi Thierry que j'ai entendu le nom. Oui, c'est moi qui suis arrivé. 73, ouais. 73, mais si Doudou il parle, vas-y, 73, Doudou, je l'entends pas. Ah si, il passe. Ah si. Du tout. Ah, c'est très QRP, hein. J'entends bien le bruit, moi. Ouais, Doudou, il se trouve dans un endroit, là, il a ses stats. Il va se déplacer dans pas longtemps, vous risquez d'entendre. Pour ça, il vous entend pas, hein, tous les deux. Ouais, pourtant, moi, j'arrive à l'entendre un peu de mon côté, hein. C'est vraiment très QRP, mais il arrive quand même à passer. De là à comprendre ce qu'il dit, non, quand même pas, mais bon, j'arrive quand même à le sortir un peu. Ah, mais moi, c'est pareil, mais c'est... Ah, elle entend murmurer, c'est déjà pas mal. Mais tu t'es perché où, toi, là? Ah, alors, dans les environs de Saint-Émilion, Pomerol, quelque part par là, un peu plus loin, un peu plus près, dans le quartier. Oui, je vois où c'est. Ouais. Non, mais dis rien, dis rien. Et tu arrives presque à 30 dB, là. Attends, faut que je mette les lunettes, là, j'ai pas vu. Hein. C'est pas tant, là c'est presque 30 dB, je vous entendais autant. 9 plus 10. 9 plus 10, oula. Bon là, quand t'as haussé la voix un peu, c'est monté à 9 plus 15, ça peut être chatouillé un peu 9 plus 20, mais pas plus. Comme
Ouais, sur la fin. Voilà, sur la fin, oui, c'est monté à 9 plus 20. D'ailleurs, là, je suis en train de faire une petite vidéo. Là, tu pourras voir ça dessus. Hein. Non, c'est même du Santiago 7, là, de mon côté. À combien tu as du morceau, là? Ouais, Santiago 6, Santiago 7. Ok, bon, mais ça va, alors, ben oui, c'est dans 40 heures, peut-être. Ouais, affirmatif, là, je suis bien placé, hein. Là, j'ai bien été tenté d'accrocher la remorque, l'antenne, la présidente Himalaya, le groupe électrogène, mais je me suis dit, ça va pas le faire. Ah, chie trois coups. Avec la remorque? Ah, là, je vois pas. Non, le 4x4 est tombé dans la voiture et a été dans le fossé. Le cul ou le nez? Je sais pas, mais j'en ai entendu parler. D'accord, du côté d'une certaine colline où FCBA33 avait fait une expédition, c'est ça? Ah, oui, c'est ça. Ah oui, tiens, oui, ça me parle aussi. Oui, enregistrer le break. Alors, pour la petite anecdote, je voulais faire une arrivée discrète, tout en coupant à travers. Et ben, c'est le travers qui m'a coupé, quoi. Ah, mais oui, mais ça arrive. Affirmatif. Ouais, il y a eu un break, un train QRP derrière, en avant le break avec les bandes 73. Ah, je n'entends plus. Vas-y Eric, peut-être que tu l'as mieux entendu. Ah, j'ai pas entendu le break, moi. Moi non plus. Ok, la commune de Fort, le département des Landes, les 73-51 à toi. Fort, c'est de quel côté ça? Là j'ai. En plus là je suis en pouche, j'ai pas moyen de regarder là à peu près où c'est. Ok Fred, les bandes 73 sont tournées. Oui, bah oui, ça passe. Hein. Non, je suis pas chez moi, là, je suis au pro. Attends, je rends un truc. Non, c'est bon. Je suis dans les environs de Saint-Émilion, Pomerol, dans ces environs-là. Hein. Ok, ARCI 2950, je viens de regarder, c'est du 41. Voilà, Radio 4, Santiago 1. Bon, c'est vrai que vu la distance, c'est quand même déjà pas mal. J'ai un chouïa de QRM de mon côté, mais bon, on va dire que là, c'est nickel, c'est propre pour moi. Je vais faire un retour de micro sur Eric, vu qu'il est un petit peu plus près là, de toi. On sait jamais, depuis le haut de son immeuble, ça peut arriver à passer. Retour Eric. Oui, 73-51, je crois que c'est Fred, les bonnes amitiés. Mais au moins de mon côté, c'est petit. Hein. Donc j'entends parler, mais je déchiffre pas tout. Retour Fred. Marche bien le 7001, le n'importe quoi, le CRT 7009. Ok, allez, à toi Thierry, tu feras ton reste. Bon, vas-y Doudou, tu l'as reçu? Ah, je peux entendre. Ouais, c'est Fred, la station Fred qui parlait. Alors par contre, je sais pas si t'as parlé, mais je t'entends bientôt là.
Non, négatif. Alors tu as Eric et tu as Doudou là justement là qui était en train de parler justement pour voir si Doudou arrivait à t'entendre. Bon, tu feras le tri dans la bouillie que je viens de balancer. Hachis trois coups. Yo Fred, ça fait longtemps qu'on t'avait pas entendu. Ok, j'ai bougé un petit peu là de quelques mètres. Là, je suis au pro là donc en mobile. Et là, je pense que ça devrait peut-être aller mieux. Là, je me suis déplacé de quelques mètres. Bon, apparemment c'est pire. Je fais une marche arrière là, je vais voir un peu ce que ça donne. Ouais, 100% QSL. Voilà, j'ai. Attends deux secondes. Ah oui, d'accord, non, n'importe quoi. J'avais un truc qui bipait dans la voiture. Ah, chie, là, pendant que je suis en train de bouger un petit peu, tu m'étonnes. J'avais le frein à main qui était serré. Forcément, la voiture n'était pas contente. Ah non, là, ça va être moins bien. Non, ça va pas. Faut que je retourne sur la bosse. Là, je peux pas faire mieux que là où je suis à la seconde. Ouais, non, mais là j'étais en train de rouler un petit peu là. Là je suis d'un chemin là calé entre. Enfin bon, bref, à côté pas loin de la route là, en surplomb là d'une route. Et je voulais voir si je pouvais avoir un petit peu mieux, mais non. Dès que je sors de là, de l'emplacement où je suis, je redescends forcément vers le bas quoi. Enfin, ben oui, non, mais n'importe quoi. Hachis, c'est logique. T'as des nouvelles de Ludovic hein? Parce que là je j'ai plus aucune nouvelle de lui là en ce moment, en espérant que tout va bien. Non, aucune nouvelle de Ludovic. Non, j'en ai pas du tout. Pour le fond, aujourd'hui, je me suis un petit peu amusé. J'ai fait la ville de la Réunion et puis la Sicile. Oh, tu parles de ça, tu parles de la propague. Hier soir, que je me trompe pas, c'est à minuit moins le quart, dans ces environs-là, il y a eu une montée de propague. D'ailleurs, j'en ai fait là, une petite micro-vidéo comme ça, là, vite fait, là, dans le push. Et là, tout à l'heure, là, il y a, à 9h moins le quart, oui, je crois que c'est ça, tu as la Guyane française qui est passée. Putain, c'est bon ça. Non, vu l'heure que t'annonces, j'étais au 144. Ah, ouais. Chi. Bon, voilà. Mais la propagande revient petit à petit. Ça, faut que ça dure, ça vient. Ah, mais de toute façon, là, on est d'après là, une courbe là, que j'ai vue. Là, on commencerait à être sur la bonne pente. Hein. Parce que là, d'après ce que j'ai vu, là, à partir du milieu 2019. Là, on devrait commencer, ça devrait commencer à remonter. C'est vrai que là, on commence déjà à le sentir. Et elle a encore pas mal de sporadiques, mais de plus en plus fréquentes. Mais ouais, bon, faut espérer que ça continue. Voilà. Bon, il y a ce petit gars, mais il faut qu'il y ait du monde derrière, hein, qui va participer au Piesto National. Allez, les stations, profitez-en. Je vous remercie.
Ok, 100% QSL, 100% Roger, à tout à l'heure. Ok, je sais pas si tu as bien entendu Eric, Fred là justement l'a fait un QRX, il reviendra un peu plus tard. Ouais, mais écoute, j'ai entendu qu'il parlait, mais j'ai pas tout déchiffré quoi, c'était vraiment petit petit. Putain, mais je finis par croire que je suis le seul à tout déchiffrer à chaque fois, ouais. Non, je déconne, j'aurais le sentiment après d'exclusivité, quoi. Ah, chi. Non, je déconne. Non, non, mais c'est vrai que j'ai remarqué là à plusieurs reprises, j'ai la chance d'être, j'ai assez souvent de la chance d'être là au bon moment, quoi. C'est puis là au bon endroit comme là ce soir, a priori. Hein. Ah, mais après ça dépend du positionnement des stations. Regarde, toi tu es plus dégagé pour les langues. Regarde sur Bordeaux, t'as vu, regarde le Dodo, c'est difficile. Alors, ouais, on peut dire ça comme ça, parce que... alors, attends, les Landes, le soleil, ouais, le soleil s'est couché par là-bas, donc là, je suis droit, là, je suis orienté plein ouest. Donc, les Landes, c'est là-bas, mais pourtant, ouais, si, ça passe par-dessus, on va dire. Je suis, j'ai des vignes à côté de moi, et j'ai le haut des vignes qui correspondent à peu près à la hauteur de l'antenne, plus après des grands arbres. Mais bon, ouais, ça passe par-dessus, quoi, tout simplement. Hein. Mais il ne faut pas que tu te bases par rapport aux vignes, il faut que tu te bases par rapport à la hauteur, par rapport au niveau de la mer, la butte à combien tu te trouves. Tu dois être en altitude, c'est pour ça. Ah oui. Ah oui, parce que si tu regardes, là j'ai rien là, pour pouvoir regarder là sous la main. Mais si tu regardes la hauteur justement là, des environs de Saint-Émilion, Pomerol, là, tous ces coins-là, oui, c'est quand même pas mal la hauteur. Là, j'ai bien compris ce que tu veux dire, mais bon, je préfère regarder par rapport au sol, car là, je bouge hein, on va dire de 100 mètres, je vais de suite me retrouver dans une cuvette. Hein. D'ailleurs, là où je suis, heureusement que j'ai une voiture comme j'ai là pour y accéder. Sinon, là, je vois, j'ai un collègue là, on est à plusieurs. Je vois le collègue par exemple, lui sa voiture c'est pas la peine qu'il vienne du côté de là où je suis. Hein. Là c'est sûr que pour le coup il risquerait d'avoir un peu de casse sur sa bagnole. Voilà, par contre, il est embauché ou tu vas embaucher là? Ah j'y suis. J'y suis jusqu'à 7h demain matin. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est bien avant que tu vois tant que tu la radio, c'est cool. Oui, ça fait longtemps que c'était pas arrivé, parce que je vois les autres endroits où je suis, il y a toujours quelque chose, un truc qui fait que vaut mieux pas que je m'y risque. Tu sais, des fois, chercher le bâton pour se rebattre, ça rapporte pas toujours ce que l'on voudrait, quoi. Ah si. Là par contre, là je suis vraiment roi carotte. C'est le taf est fait de toute façon, parce que je le fais en bagnole. Il y a ce qu'il faut derrière qui suit, on va dire. Il y a une petite prime qui suit derrière, donc je peux pas faire plus que ce que je fais en ce moment, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Alors ça, oui, effectivement, c'est génial. Ouais, heureusement que t'as presque un 4x4, hein. Ça serait des voitures en hiver, ça serait pas facile. Ouais, là, sérieusement, oui, parce que là, je vois là, tout à l'heure qu'on a embauché. J'ai montré le site là aux collègues. On a fait, on a recouvert toute la zone hein, parce que là, c'est énorme là, comme truc. Et il me dit comme ça, mais attends, j'espère que je vais pas avoir à passer là parce que moi, ça va toucher par endroit là. Ça, je risque de casser les amortisseurs, ceci, cela. J'ai dit non, t'inquiète pas, je sais très bien ce que j'ai comme voiture. Même si j'ai pas la fonction 4x4, c'est pour le reste, c'est des kiff-kiff bourricots. Je t'inquiète pas, je me garde cette partie-là. Toi, tu seras plus du côté route. Et puis voilà quoi. Ben oui, c'est sûr. Bon, mais Dodo, tu es revenu? Non, parce que il y avait personne à part nous alors. Ah, peut-être, j'ai remarqué là, bien souvent là, en ce moment, les stations arrivent vers 21h30, 21h35. J'ai un petit peu remarqué ça là en ce moment. Hein. Ça tourne un peu, dans le dernier coup, c'était, il me semble que, je sais plus, Angèle, je crois qu'il était arrivé dans ces eaux-là, je sais plus.
le coup d'une autre fois, justement, la dernière fois qu'on a eu Ludovic en fréquence, ouais, c'était pareil, dans cette fourchette d'heure là aussi. Donc je sais pas, on verra bien. En tout cas, je sais pas si j'ai pas eu le temps de regarder là s'il y avait des news. Enfin si, il doit y en avoir. Mais qu'est-ce qu'il y avait comme salon, ceci, cela, ce week-end? Là, j'ai pas du tout eu le temps de regarder là. Ouais, attends, il y a quelqu'un qui s'est manifesté. On est à la station. Oui, salut Eric, un petit bonsoir pour vous. Salut à tous là. À toi, Eric, Denis 33, si tu m'entends. Bon, 73, Robert de Carignan, qui passe vous saluer. Bonjour, Robert, bonnes amitiés, j'espère que tu vas bien. Mais écoute, grippé, mais tout va bien. À part ça, ça roule, hein. Voilà. J'ai entendu Denis, là, je ne sais pas si me parle, hein. Je ne suis pas sur la des conditions de trafic optimum, on va dire. Là, je suis sur une petite filière. Alors, je ne sais pas si me parle. À toi, Denis, si tu as la copie, là, ça sent très ton air. Ok, enregistrez le break. Oui, Robert, les 973 à toi, en espérant que tu vas bien de ton côté. Eh bien, affirmatif, c'est du 55, là, de mon côté. Voilà, et par rapport à l'orientation de ta filaire, je suis sur le secteur de Saint-Émilion-Pomerol, de ce côté-là. Ok, affirmatoire, mais c'est un dipôle, hein, un tout petit dipôle, là, d'une longueur d'onde, là. Il y a 2,50 mètres du sol. Mais bon, je suis tourné sur Christian, sur Eric, et je suis tourné sur toi. Donc, je vous entends parfaitement bien. Voilà. Eric, je t'envoie l'écho. Ok, pas de soucis, merci Robert. Je pense que Eric, tu m'as dit qu'il y avait un autre break. Oui, oui, je l'ai vite entendu entre deux reprises de micro. Alors, en avant le break, à moins que ce soit peut-être Doudou. En avant. Ok, c'est Fred qui est de retour. Ok, ouais, je suis de retour. Qu'est-ce que je voulais dire, t'as toujours avant le TPH? Tu peux m'appeler par TPH? Ah là, non, c'est pas possible. Là, je suis en plein QSO. Je ne tiens pas à quitter le QSO. Ça serait pas sympa là pour les copains. Et en plus de ça, là, je dois garder le 600 de libre vu que je suis au pro. Ouais, je l'attends sur la verticale. Et ça passe bien, ouais. Je suis passé sur une autre antenne. Et ça sent très en haut. Oh, j'ai vu le signal monter là. Ouais, je suis pas sur la même antenne et le même poste. Ok, c'est du 57 là de mon côté. Ok, bah tu vas rire Eric, on a l'impression qu'il a tiré un câble jusqu'à ton antenne, car le signal est parfaitement identique. Break. Wow, enregistrer le break. Ok, personne ne reprend, en avant le break avec les bandes 73. Ouais, 73 à tout le monde, 73 Eric, 73 Rémi, Robert. Et opérateur Fred, opérateur Stéphane de micro sur 13, 73 à tout le monde, bonne soirée, retour Rémi. Ok, 73 à toi, alors là, il y a un gag. Que ce soit Eric, que ce soit toi, que ce soit... Ah bah ça y est, j'ai mangé. Ouais. Robert, vous avez tous les trois exactement le même signal. Je sens le complot sur le fait que là, vous avez tous les trois branché vos postes sur la même antenne. Non. C'est les lettres de ton poste qui sont restés collés. T'as les lettres de collés hachées. À la différence d'avoir les œufs de collés hachis. Ok, V73, à toi Robert. Moi, ok, je vais rester dans ces conditions-là, ça sera mieux. Parce qu'avec un dipôle, notre ami de Fred là, il ne m'entendrait pas. Donc, bonne 73 à toi, bien content de te saluer. Ça faisait un petit moment que je ne t'avais pas salué d'ailleurs. Ça fait une belle lurette, Tachi. Et puis, je te retourne le micro. Je ne sais pas qui t'a parlé là, Robert. Alors, moi, t'as parlé à Stéphane? Oui, tout à fait, oui. Ah non, c'est Stéphane, c'est ça? Oui, affirmatif, non, je ne savais pas.
à qui tu parlais, c'est pour ça, voilà. Moi, de mon côté, je m'entends l'opérateur Fred, mais si comme Eric, on arrive à déchiffrer une syllabe sur cinq, même avec le préampli, le casque du côté des Landes, là, ça fait un peu loin, j'arrive pas à l'entendre correctement, mais bon, on va essayer de tendre l'oreille. Ok, Robert, pas de problème, j'entends tout le monde, à part Fred, que j'ai un peu de difficulté. Tout à l'heure, je m'entendais un petit peu de jour, on me briquait là, mais après, je l'ai plus entendu. Voilà, je t'envoie le micro, Rémi, ça passe bien de mon côté. Voilà, on va voir si on arrive à entendre l'opérateur Fred, je sais pas, ça va pas être évident. Ok, bon là de mon côté là ça va, là j'entends tout le monde, même Fred, bon c'est très QRP hein, mais j'arrive à l'entendre aussi. Retour Fred, par contre lui Fred il a du QRM de son côté, donc ça va pas être évident. Retour Fred pour voir là si comment ça passe là pour tout le monde. Ok, ça marche. À tout à l'heure, Fred. Ok, donc pour ceux qui l'ont pas entendu, Fred là s'absente là pendant un quart d'heure, 20 minutes, et il reviendra nous retrouver là sur le QSO. Retour Stéphane. Ouais. Ok, merci du retour micro. Non, j'arrive pas à décoder. Hein. J'ai entendu qu'il a. J'ai cru comprendre qu'il disait qu'il allait faire un petit QRX, mais c'est tout ce que j'ai compris. Hein. Et j'ai entendu le bip, mais après, hein. Non, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Sur la verticale, ça passe pas, j'arrive pas à décoder ce qu'il dit, voilà. Retour micro, Eric. Ouais, ok, c'est pareil, c'est petit, voilà. Ouais. Bon, Robert, on s'entend plus beaucoup sur le numérique, ça fait un petit peu de travail ou quoi? Ouais, tout à fait, Eric, j'ai pas trop le temps, hein. J'ai pas le temps de me mettre à la radio, d'ailleurs. Exceptionnellement, tu vois, ce soir, j'ai retrouvé un petit peu ma voix, et puis... ça faisait une semaine que j'étais bien grippé, et puis pour le reste, non, j'ai pas mal d'autres occupations, tu vois ce que je veux dire, donc forcément, pas trop le temps de me mettre sur la QRJ là. Pas trop vite, parce qu'après on s'embrouille, ouais, t'as bien raison. Ok, faut y aller facilement, lentement, mais sûrement. Allez, à toi, Rémi. Oui, la station que j'ai entendue très très QRP derrière, les bottes 73-51 du groupe. À moins que ce soit Doudou là qui revient, je sais pas, en avant. Mais bon, c'est vraiment du à peine audible hein, de mon côté. Hein. C'est bien parce que j'ai les oreilles bien grandes ouvertes que j'ai réussi à entendre quelque chose, mais c'est tout pas plus. En avant la station, dans le fin fond lointain, à toi. Ok, bon, c'était peut-être un petit effet de propague, mais ça a été très furtif, hein. Là, très, très, très QRP, très furtif. Ok, Zouzou, dans le micro, il y a Robert et Stéphane qui sont arrivés là. Ok Doudou, opérateur Stéphane qui reprend, ouais ça passe hein, pour le bar, moi je t'entends, y'a pas de problème, ça t'entraîne à toi les bons chiffres Doudou. Ouais, en plus je suis pas gâté, moi j'ai les QRM ce soir, y'a des soirs où j'ai que dalle, c'est nickel chrome, puis là y'a des soirs où t'as des parasites, tu sais pas d'où ils viennent, je sais pas, ils ont dû faire un vol et arriver ici. Allez, attends Robert. Ouais, c'est qu'est-ce qui se passe, c'est Stéphane, t'es pas le seul. Hein. Salut Dodo, si tu m'entends, retourne micro. Mais tu vois, il m'entend pas pour te dire. Dodo, tu m'entends pas, Robert? Je l'entends pas, Robert. Ah, pourtant merde, ça devrait passer quand c'est... il passe assez bien, hein. Moi je l'entends. Tu devrais l'entendre, c'est bizarre, ça dépend où t'es situé, c'est toujours pareil. Hein. Comme quoi, on est mieux en mobile qu'en fixe. Ah, chie trois coups. Bon, je suis en train de faire une petite balade. Pour certains, le signal doit baisser. Hein. Bon, d'accord. Après, tout dépend de la position géographique. Hein. Ouais, c'est toujours pareil. Hein. Des fois, t'es situé des endroits, t'entends à gauche, t'entends à droite, c'est toujours la même chose.
Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Non, mais là, je suis en train de rouler là, sur la zone là où je suis. J'étais là juste avant ça sur une butte. Là, je suis redescendu là, dans le creux pour accéder, pour aller après de l'autre côté de la colline pour revenir ensuite. Donc là, pendant quelques minutes, là, ça risque de naviguer un petit peu là, au niveau, au niveau réception. C'est 3 kilos au volant, il est à la fin des deux bas, il est en train de faire un tour de la limite. Ah, si, trois coups. Par contre, je cherche, on m'a parlé, on m'a dit qu'il y avait des YL en maillot de bain là sur le QTH. Je cherche, j'arrive pas à les trouver. Ouais. Ah, mais voilà! Donc il faut que je rentre avec le push entre les vignes. Ça doit être ça, ouais. T'as pas bien regardé, regarde, entre les vignes. Attends, il faut que je rentre dedans pour voir si s'il y a quelque chose. Le papier souris, mais... Ah, je suis trois coups. Putain, ça secoue dans tous les sens. Aïe, aïe. Allez, vas-y, on verra. Je sais pas, mais alors... Dundee, là, tu fais du 4x4 en ce moment, là. T'as changé de métier. Ah là, pour les hier soir, ce soir, oui, tout à fait. Bon, je fais quand même gaffe parce que j'ai pas la position 4x4 malgré tout. J'ai le véhicule, mais pas la position motrice pour le 4x4. Ah d'accord, j'ai compris. T'es en train de sauvegarder notre patrimoine de la Gironde, là. On va dire ça comme ça, patrimoine gustatif. Oui, j'ai bien compris, c'est pour ça que je faisais allusion à ça. Haché, allez à toi Stéphane. Voilà, ok, non, rien de plus à rajouter, moi je vais me boire un petit café, tranquillement. Restez encore 5 minutes avec vous et après allez me reposer, voilà, pour aller au pro, pour qu'au plus tard, à la matinée, voilà. À part ça, rien de plus à rajouter. Non, j'étais pas à l'écoute aujourd'hui. Je me suis reposé, vu que j'avais travaillé l'année dernière. Je sais que je la prends pas à Guéric, m'a dit ça. Bon, bah, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine. On peut pas être au pro et derrière la radio, malheureusement. Je peux pas emmener le poste au boulot. Et puis, alors, chaque chose en son temps, comme on dit. Ouais, et vive la réunion aujourd'hui et puis la matinée. Et il y a trois quarts d'heure de ça, t'as eu la Guyane française qui est passée. Ouais, bah, pourtant j'avais le poste allumé, moi, depuis que je me suis réveillé à. Il était 16h30, il est allumé sur 5, j'ai rien entendu, hein. J'ai dû louper. Mais c'est bon, tu peux pas avoir une oreille à gauche et une oreille à droite. Hein. Une affaire que tu as à faire et puis l'autre côté, écoutez, malheureusement j'ai loupé, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ouais, 14h30, moi j'ai fait l'île de la Réunion, René, et puis la Sicile, j'étais vers 17h, comme ça, 17h30. Toujours pareil, il faut être derrière, mais bon, il faut être là au bon moment, c'est pas grave. Ça sera peut-être pour ce week-end, on verra bien. Allez, on va toi. Passe bien. Tout ça retourné, bon mais...
écoute, qu'est-ce que tu veux, les conditions sont pas bonnes pour nous ce soir, hein. On en restera là, à toi Eric. Ouais, 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 c'est les allers de la radio, ça. Voilà. Bon, Rémi, t'es toujours là? Attends, y'a Doudou qui parle. Ouais, t'as raison, t'as envie de rentrer, ouais. Rien pour Rémi. Ok, attends, je suis en train de faire gaffe où je passe. Ah, chie trois coups. T'as l'impression d'être un peu dans une machine à laver là dans certains endroits où je passe. Ah chi. Ouais, j'attendais un qui est en train de chercher entre les lignes, moi. Exactement, t'as tout compris. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire là justement. Je suis mais comme tout à l'heure, je suis en train de. On m'a dit qu'il y avait des YL en maillot de bain de cacher là entre les vignes. Je cherche, hein. Mais je trouve pas, quoi. Je suis pas doué sur le coup. Hein. Je vois ça là, oui, je suis passé. Comment ça? On n'est pas... On est de combien à l'heure? Ah, je suis trois coups. Non, je parle parce que le 1er avril 87, moi je m'en rappellerai, c'est le jour où je suis parti à l'armée. Hein, le 1er avril, c'était pas une boisson, mon pote. Aïe, aïe. Eh oui, 1er avril. Bonne fin de QSO, plaisir de discuter avec vous, et à demain, ou enfin non, on sait jamais, pour notre week-end. 73, bonne QSO tout le monde. Voilà. Ciao, à toi, Rémi. Ok, tiens, à propos de 1er avril, attends, je fais demi-tour, à propos de 1er avril, sur Internet, là, sur Facebook, c'est, attends que je me mange pas une connerie, c'est bon. C'est Joël, 14 Kilomac 5701, c'est-à-dire celui qui a créé le groupe Kilomac, là, qu'on a fait une bonne, là, justement. Il a repris un président Jackson 2 pour le transformer en Jackson 3. Alors, avec affichage de la fréquence et tout à la place des canaux, remarque, c'est bien fait, parce que là, c'est le montage, il est vraiment bluffant. Hein. Avec couverte. Ok, c'est le permis, on est au 73, il n'y a pas de souci, ma règle. Ok, je t'ai entendu aussi, Doudou, très QRP de mon côté, les 2073. Demain soir, je devrais être normalement dans le QSO, mais depuis le QRA. Ah zut. Je pense que c'est Fred qui est de retour. Ok, mais non, pour ma part, j'ai été exempté. Je ne sais plus en quelle année c'était. Ce qui est sûr, c'est ça devait être autour des 82, je crois, dans ces eaux-là. Ouais, je pense, ouais, c'est ça. Ouais, dans les environs de 1982, dans ces eaux-là. C'était une période où il y avait trop de monde.
Et du coup, d'un petit rien, paf, ça a exempté à tour de bras. D'ailleurs, je me souviens, dans le groupe où j'étais, il y avait un mec qui, lui, en plus, faisait du sport, il faisait du karaté. Donc, je sais pas, quand on fait ce genre de sport, on peut être que apte. Hein. Ben, même lui, il a été exempté, quoi. Comme quoi, là, il était vraiment trop nombreux là, pour la période. Ils m'ont payé des vacances sur l'île de Porquerolles quand même. Alors, je ne regrette pas. Ah oui ! Ah oui ! Il y a eu un break derrière. Je pense que c'est Fred qui doit être de retour. Ok, alors je suppose que là tout le monde a dû oublier ou le sait peut-être pas. Le QRZ de Fred, eh bien, c'est le Clear 4. Pour ceux qui se souviennent de justement dans les années 80-90 par là. Hein. Voilà, c'est le Clear 4 là qui est avec nous. Ok, voilà, t'as entendu le Fred de tout à l'heure. Là c'est plus audible, voilà. Allez, je retourne sur Robert. Ok, merci. 73 Fred, c'est à la copie là. Je te retourne le micro. Mon ancien indicatif, c'était 14 Alfa Romeo 4406 Robert. Voilà, sur le QTH Carignan de Bordeaux à Chine, à toi. Je suis sur la commune de Carignan de Bordeaux. Si tu vois la grande antenne de Bouillac, tu te diriges direction Libourne à 3-4 km à vol d'oiseau, direction Libourne depuis l'antenne de Bouillac. Ok, Carignan de Bordeaux, à côté de la affirme-toi, ouais, dans le secteur. Il y a de la propague derrière. Il y a de la propague derrière. Ouais, ok, pour ça, c'est un secteur que j'ai du mal à copier les landes parce que, mis à part en horizontal que j'arrive très bien à faire les landes, mais en vertical, il y a une colline qui nous sépare. Donc, forcément, le signal est vraiment très QRP là, de mon côté. Ah, chier, mais bon, on s'entend, c'est l'essentiel. À toi, Dandy. Ok. Non, bah là, en tout cas, sur le coup, là, j'ai cru que tu avais l'antenne en haut de l'antenne de Bouillac. Ah, je suis trois coups. Bah, en tout cas, là, de mon côté, ça va. Là, je suis bien placé. Je crois que je vais faire une croix là par terre et revenir plus souvent ici. T'as peut-être trouvé un point chaud, à savoir. Ah, chaud, je suis pas sûr parce que là, pour le coup, j'ai pas trouvé d'YK à la maillot de bain. Donc, chaud, non, ça n'a pas l'air. Un bon coin, oui, ça c'est sûr. Attends, j'ai un œil sur le rétro. Non, ok, c'est bon. Ça fait le point UG, s'il y avait des YK, oui. Salut, gros. Ah, hein, je n'osais pas le dire, celui-là. T'as vu, on va, quoi, lui ? 89-04. Ah, il y a quelqu'un qui a parlé, oui. Oui, et en même temps, on a eu quelques petits passages de propague là derrière. J'entends des gazouiller. Les 73, la station. C'est pas la voix de Jean-Paul, là. J'ai entendu 93-04, je crois, quelque chose comme ça. 80-04, les 73 de Dandy 33 en mobile sur Saint-Émilion, Pomerol, de ce côté-là. Compagnie de Rémi, il y a Robert, tout à l'heure il y avait Stéphane et puis Doudou,
passe, mais qui est passé en fierté, voilà. Ah, 21h45, ça arrive tout doucement. Ok, Eric, oui, rebonsoir Papy 33, là. Eh bien, dis donc, on n'arrête pas de se voir ou de s'entendre aujourd'hui, là, Sheila. Et puis, bien content de voir que tu es en fréquence le soir aussi, là. Voilà, à toi, Denis. Ok, les 73 retournés, en espérant que tu vas bien de ton côté. Bon, c'est un bon phare, j'ai oublié de préciser, c'est mobile actuellement, hein, voilà. Alors, non, mais quand il n'y a pas grand monde, ce soir, on a fermé un peu tôt, voilà. Il y a une station qui est arrivée, il y a une station qui est arrivée, mais c'est volontaire, voilà. Attends deux secondes. Denis, tout à l'heure, il y a pas mal de... Ah oui, ce week-end, il y a le salon de Castres, je crois. Ça y est, ça me revient. Ok. Dundee, il me semble qu'il a entendu quelqu'un là qui briquait. À toi, Dundee. Ouais, je crois qu'il y a des passages de propague aussi, hein, en même temps. Hein. Ouais, je crois que ce week-end, c'est le salon de Castres qu'il y a ce week-end, en plus d'autres salons à droite, à gauche. Oui, il m'a semblé entendre quelqu'un, effectivement, là, très QRP derrière. Je pense que ça va être la propague. On sait jamais. En avant la station. Ouais, j'entends parler dans le lointain, ça doit être un QSO parallèle. Je crois que, ouais, il y a Fred autrement là qui est revenu. Retour sur toi, Fred. Ouais, il y a du monde derrière, hein, dans le lointain. On voit qu'il y a de la propague, là, ce soir. Là, parce que là, ça surmodule et tout dans le lointain. C'est très, très QRP, hein, là. Mais on sent qu'il y a une grosse activité radio, là, derrière, là, sur le canal, sur la fréquence. Bon, apparemment Fred ne t'entend pas parce qu'en plus là vous avez parlé un peu en même temps. Mais visiblement là au moment où tu lui as repassé le micro, il avait déjà relâché et, ça n'a pas l'air de vouloir passer quoi. Ouais, il est en mobile, c'est pas évident aussi. Ouais, je sais bien, moi aussi hein, je suis en mobile. Mais mobile, arrêtez. Arrêtez de temps en temps, mobile à d'autres moments. J'ai aucune info pour la butte de l'Aunay de mon côté. Puis là, c'est vrai que là, cette semaine, là, j'ai un petit peu largué. Hein. Comme là, je suis en train de guetter là, tous les jours là, sur le REF 17 là, qui mettent là, les bulletins. Attends, j'ai une voiture qui arrive en face. Qui mettent les bulletins d'inscription et tout. Alors, ils ont ouvert une page, mais pour l'instant, c'est une page blanche. C'est, là, j'ai pas vraiment d'infos là. Je sors de la voie. Ok, ben, attends, vas-y, Robert.
D'accord, moi j'ai aucune info là-dessus, sur la butte de l'Aulnay. Je sais que ça se fait une fois par an, c'est ça? Oui. Et l'an dernier, ça avait été annulé à cause de la météo. Mais il me semble que j'arrivais à passer il y a un bon mois de ça, ou trois semaines, sur le site de la CDA, que Chantal, elle avait parlé du mois de juin. Début juin, ou vers le 9, ou le 7, je ne me rappelle pas trop. Donc, si Jean-Paul a des nouvelles, il va nous en dire un petit peu plus après. Ah, j'ai entendu là, Eric. Ouais, non, c'est... Ouais, putain, moi c'est pareil, là je suis en mobile, là j'ai rien là sous les yeux. Là. Oui, mais la date 19, ça me dit quelque chose, alors tu vois, ça doit être ça. Ouais, j'étais patient. Ah ouais, ça va, là je sais pas si ça passait bien, je suis sous un pont Eiffel, donc je traverse, et bon, je pense que ça passe quand même. Ouais, le 21, c'est le dimanche, oui. Ouais, vas-y, on va. Oui, je disais, le 21, c'est le dimanche, c'est un dimanche. Mais le 9. Et le 9, c'est un mardi. 9 juin. 9 quoi? Juin. Ah, au mois de mai, attends, chie. Le 9, c'est un jeudi. Et le... Et après, tu me disais le... Le 9 juin, 9 06. Oh putain, on va y arriver. Le 9 juin, c'est un dimanche, oui, effectivement. Alors, c'est ça, ouais. Nous, il se peut qu'on monte le samedi. Il se peut qu'on monte le samedi, comme ça on installe tout, et après on reste samedi 9 et dimanche, samedi 8 et dimanche 9. Parce que je crois que le 10 c'est férié, je crois que c'est Pentecôte ou 9 ans ça. Ah d'accord, ok. Pentecôte c'est le lundi. Oui. Ah ben ah oui non je confonds n'importe quoi. Le week-end de Pâques c'est le week-end prochain, je me trompe pas, c'est bien ça? Oui, j'approche. Ok, et ben justement je serai pas là durant tout le week-end, une petite semaine je crois. Autour de dans ces environs là. Je dois monter justement là pour le week-end de Pâques là-haut en Alsace, du côté de Mulhouse, ces coins là. Là j'ai une réunion justement là-haut, l'Assemblée Générale de l'ERCI là qui est là-haut. Donc là on grimpe, on va aller se balader par là-bas, et puis après en même temps visiter les environs, passer un petit peu de l'autre côté de la frontière, peut-être ouais, côté Allemagne, peut-être aussi côté Suisse, on verra. On va profiter pour se balader un petit peu quoi, dans les environs là-haut. Oh, tu vas dans pas loin de Frédéric-Chaffaud. Pas loin de, j'ai pas compris. Frédéric-Chaffaud, le salon. Ah oui, tiens, c'est vrai en fait. Ah bah oui, ouais, certains. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, j'ai pas trop regardé où c'était, mais ouais, ouais. Donc là, ouais, là, pendant une petite semaine, là, on sera là-haut. Alors j'emmène le matériel, j'ai bien envie d'en profiter aussi en même temps. Bon, allez à toi Jean-Paul. Ok, c'est vrai, il y a le truc de l'Arcy aussi. Ah, parfait, là je suis rentré dans le bord de l'Arcy, par contre je m'aperçois que les lampadaires, ça te fait un cul à l'heure pas possible. Hein. Et par contre Robert, tu passes très 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 très, très bien, hein. Mieux que dans la journée. Hein. Et les mecs, ils ont, oh là là, c'est impressionnant, les mecs, ils roulent, ils ont juste... Deux jours et demi là, donc je sais pas si c'est ce qu'on fera. Mais bon, sur samedi,
commente le samedi. Hein. Je te repasse le micro, Eric. Ouais, moi je pense que si je viens, je viendrai le dimanche, mais je reviendrai sûrement, pas l'an dernier, parce que l'année était terminée, mais il y a deux ans, on était venu à Lidovic, mais on était arrivé en début d'après-midi, ça fait trop court après. Parce que si on vient cette année, on tâchera de partir le matin très tôt, et pour profiter de la journée, quoi, tout le monde aura le pique-nique et tout le machin, quoi, voilà, quoi. Comme on fait d'habitude quand on part pique-niquer, quoi, voilà. Allez, à toi, Robert. Oui, juste un break rapide, là. Elle est où, cette butte de l'aunay, là? Moi, ça me parle pas, ça. Alors, j'aime pas l'explique, parce que tu connais mieux que moi. La butte de l'aunay, elle est au sud de chez moi, je me souviens plus d'endroit exact, mais c'est au sud de Castillon-la-Bataille. C'est à vol d'oiseau de ce côté-là. D'accord, donc c'est un point stratégique où tout le monde se retrouve une fois par an. Un point chaud, je présume, où c'est quand les gens partent pour faire quelques petites expéditions DX, c'est ça? Alors c'est même plus que ça, parce que c'est le regroupement FCBA 33, donc avec activation CB et radio amateur avec le radio club de Libourne. Je me souviens plus d'indicatif. Bref. Et eux, du côté du radio du club radio amateur de Libourne, ils activent en VHF, UHF, je crois, et aussi le HF, je sais pas. Je sais pas s'ils le font en HF également. Il me semble qu'en même temps, ils ont un concours, je crois. Hein, Eric, tu me confirmeras ça. Mais il me semble que c'est en même temps la période où ils font un concours. Tous ensemble. Ça peut être une bonne chose, moi je pense que tout le monde a
peu ce qu'il faut. Vous savez que ces villes, ils arrivent jamais les mêmes villes, voilà. Ah, je suis pas ça. Voilà. Tiens, il y a une chevrolet qui vient de me traverser devant là. Ok, je vais rouvrir les stations, je vais vous envoyer les meilleurs chiffres, je suis bientôt arrivé là. Donc, la bonne soirée. Certaines personnes, n'oubliez pas de réviser, hein. Ah, je suis pour ça, je vise personne, hein. Voilà. Ok, pour ça. Soin de vrai à tous, ainsi que SWL des fois. Et en ce moment, il y a une YQ qui, je ne sais pas si elle est vers la région bretonne ou quoi, là-bas, qui doit essayer d'écouter, mais je ne sais pas si à cette heure-ci elle est encore ici, sur la fréquence, voilà. Mais elle est normalement un trafic plus sur le 27, le 27 mai, là, voilà. Ok, les stations, je ne reprends plus, les amis, à tous, à toi Dendy, si tu m'entends encore, bye bye. Tu m'étonnes. Je suis là en balade, là actuellement, là sur le domaine là où je suis, et que je passe dans les trous, que je passe là n'importe où, tu passes partout. C'est, on voit qu'il y a du bon matériel derrière. Ok, les bassins 1351, merci pour les infos. Alors donc, le 9 juin, le rendez-vous est pris. Je ne sais pas si je serai disponible de mon côté, ben on verra bien, ça sera la surprise. Et si je suis libre, ça sera avec plaisir que justement j'irai faire un tour là-bas, quoi. J'éviterai ce coup-ci les chemins de travers à chier pour prendre la route. Évitez les 4x4, il y a plus de 4x4. Hein. Mais là, je pratique les 3009 et un petit B300B derrière, c'est tout. Hein. D'accord, ben là, ça marche vraiment bien de mon côté. Et puis en plus, là, il est stable. Puisque depuis tout à l'heure que tu es dans le QSO, j'ai pas du tout eu besoin de compenser, de clarifier. C'est propre d'un bout à l'autre. Hein. Et la boîte de miroir derrière fonctionne très bien aussi. Hachi. Ok, ok. Allez, sur ce, je coupe. La boîte est sur position 3, pas plus. Hein, voilà. Allez, bon bail à tous. Salut, on parle de la soirée et puis à la prochaine. Ouais, bonne nuit, à bientôt Jean-Paul, t'inquiète pas, je révise, mais bon, qui va à Sano va piano, ouais, va pas vers piano, va Sano, ouais, tranquille et doucement, comme on dit, hein, pas trop vite le matin, doucement le soir, et tout va mieux, tout va pour le mieux, Achille, allez, à la prochaine, bye. Bye, bye, Eric. Ok, 76 Jean-Paul, à la prochaine. Allez, retour à lui. Ok, bah tu vois, comme je te disais tout à l'heure, en ce moment, les EM arrivent plus sur après la première demi-heure de QSO. Et toi, là, effectivement, hein, 21h30, 21h45, toi, là, c'est le moment où les EM sont arrivés. Mais ouais, parce qu'après, ça dépend, hein, tu sais, il faut ressortir. Moi, ça m'est arrivé d'arriver tard aussi, sortir plus tard de table, tu sais, tu passes un peu de ta famille, et puis après, voilà quoi, hein, donc, voilà. Mais moi, je pense qu'on peut pour ce soir quand même. Merci, j'ai un petit contact à tous. On vient 73, j'ai bons chiffres, et puis bon courage pour la suite. Rémi, j'ai 73, 51 à toi aussi. À bientôt, je salue aussi les écouteurs aussi en arrière. Voilà. C'était Eric 14 Victor et Corvette 7 qui passe en fierté. Voilà, pas Robert. Ok Eric, au plaisir. Bien content de t'avoir salué, ça faisait un petit moment. À la surprise, bye, bonne nuit à toi Denis. Ok, merci Eric, les 1351, et ben pourquoi pas. Là, ouais, ben là, on a fait une bonne heure, 1h05 de QSO pour être précis. C'est quand même pas mal, hein. faut trouver quoi dire quand même. Et là, c'est vrai que c'était pas mal intéressant. En plus, avec là, quelques dates, quelques infos là, qui sont passées là, sur le QSO. Merci Eric. Eh bien, on verra bien si demain soir il y aura du monde sur le QSO. Sinon, ben, s'il n'y a personne, ça sera soirée télé. C'est pas mal aussi. Et puis sinon, ben, à la prochaine. Donc le week-end prochain, week-end de Pâques, pour ma part, je ne serai pas du tout sur la région, je serai là-haut en Alsace. Donc ouais, du côté de Mulhouse, les environs. Les 73-51 à tous, et merci pour ce QSO. Bah tiens, pour le coup, vu que la propague est là, je vais monter au premier étage, voir un petit peu ce qu'il y a, quoi.
La nuit dernière, vers les 3h du matin, j'étais en QSO avec 14, ça doit être Lima Bravo 10, non, Fox Bravo 17. Voilà, du département 17. Tiens, ben, ce soir, il ne savait pas trop s'il allait pouvoir passer sur le QSO. Bon, ben, il n'a pas pu. Ben bon, on a les 73 de sa part, ça, c'est sûr. Donc, merci pour le QSO et ben, peut-être demain soir s'il y a du monde. Ok, tu parles de Frédéric, des Charentes là-bas, oui. Il était avec moi cet après-midi à Chila. 14 Fox Bravo 17 ou quelque chose comme ça, oui. Il y a eu un break derrière là, en avant le break. Oh, dis donc Fred, tout le monde t'a oublié à Chila. Tu étais parti en QRX apparemment, d'après tout le monde on avait compris que tu étais parti à Chila. Allez, je te remets le micro. J'avais oublié quoi. Oups. Ouais, affirmatif, d'autant plus que je suis au pro, je suis en train de rouler. Alors c'est pour ça que là, par moment, là, c'était pas vraiment top. Attends, je reviens là sur mon point haut. Voilà. Là, on va dire que... Attends, comment ça se met là? Ouais, c'est bon. À quelques centimètres près, je suis au même endroit là que tout à l'heure. Oui, on peut le dire. H3Coup, oui, affirmatif. Là, je suis actuellement au pro du côté, dans les environs de Saint-Émilion-Pomerol, dans ces environs-là. Oui, enregistrer le siffleur. Eh bien, pour le coup, je vais continuer encore un peu sur le QSO. Oui, enregistrer le siffleur. Ah ben oui, avec le CRT 7009, plus l'antenne, la Wilson 5000, plus, on va dire, la petite boîte de mirror qui est calée entre, qui me fait de temps en temps clignoter un petit peu des phares, à chi, pourtant je suis qu'à la position 4, pas plus, et je rentre dedans qu'à 50%, c'est grandement suffisant, ouais, je suis au pro. Non, j'y serai demain soir. Voilà, à moins que demain dans la journée on m'appelle pour aller au pro. Mais bon, normalement demain soir je suis en repos. Puis après, jusqu'à la fin du mois, c'est vacances pour reprendre le pro après ben, de début mai. Quoi. Alors c'est marrant ce que tu dis parce que moi c'est tout à fait l'inverse. Et là dans la semaine, là j'ai bossé en journée, ça a été nuit blanche sur nuit blanche. Là pour le coup, et là je rebascule en nuit, mais qu'est-ce que je dors bien la journée? Ah chi, je suis complètement à l'envers, pas de travers, hein, complètement à l'envers de tout le monde. Ah oui, par contre, j'ai une montée de QRM. J'allais te donner le signal. De mémoire, tout à l'heure, tu m'arrivais avec un Santiago de 1, je crois. C'est ça, et la radio, elle est de 4. Ok, bon, c'est bon, ça fonctionne. Je m'attendais pas à vous avoir ce soir. Si j'ai remonté la station il n'y a pas plus longtemps, je sais pas si Daniel t'a bientôt au courant. J'ai acheté un lot de matériel pour faire des tests pour les radios. Ok, voilà, j'ai attendu un petit peu. Au fait, il y a eu un break. Pas d'inquiétude, le break. Je te repasse le micro après, si tu es toujours là. D'accord, ok. Non, mais je n'ai pas eu d'infos du tout, là. C'est vrai que c'est avec Daniel, c'est compliqué.
J'arrive à l'avoir en fréquence. Pourtant, hier matin, il était en fréquence. On ne s'est pas du tout entendu à cause de la distance. Et habituellement, quand je l'ai en fréquence le matin, il faut que je sois sur un certain site, là, du côté, dans les environs, du côté de Bassins, par là-bas. Et en plus de ça, de façon à ce que ces horaires d'embauche coïncident avec mes horaires de débauche, là, pour arriver à s'attraper en fréquence. Attends, voilà, ok, c'est bon. Oui, c'est vrai que là, jusqu'à maintenant, là, j'ai vraiment pas eu le temps là, d'aller chez lui. Mais c'est plus. Attends, deux secondes.
si je mets le préampli en route, tu me fais du 55, hein. 55, 56 avec le préampli, donc. Ne touche à rien, la radio, c'est ce qui est primordial, le signal, on s'en fout, mais au moins la radio, c'est parfait. Comme on dit, l'essentiel c'est de se faire entendre. T'es revenu, Denis? Attends, j'ai eu la montée de plus, hein, mais c'est pas passé. Non, je disais, comme on dit, l'essentiel c'est de se faire entendre. Et d'entendre aussi, Archie. Voilà, Denis, t'es revenu? Oui, voilà, affirmatif, voilà. À l'instant même. Voilà, j'étais en train de... Attends, deux secondes. Merde, attends, voilà, j'ai foutu les plafards. Disons qu'en plus, juste comme ça, toi, on a un collègue là qui tourne sur toute la région là en voiture. Et on s'est échangé là les infos là à l'instant. Hein. Ah, ok. Voilà, ouais, j'entends de la propague là derrière. J'entendais parler là au loin. Fred est toujours là, non? Où il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé sur le QSO? Ok, c'est bon. Putain, mais là, en ce moment, là, la propague, elle est vachement du soir, puisque hier soir, c'est à minuit moins le quart. Il y a la propague qui est passée, je sais plus d'où ça arrivait, je me souviens plus. Mais à minuit moins le quart, t'as, j'étais étonné, quoi. On voit que là, on commence à remonter tout doucement. Et là, tout à l'heure, là, à 9h moins le quart, c'est la Guyane française là, qui est passée, quoi. Ouais, apparemment Fred a toujours ses problèmes de QRM. Ouais, apparemment. T'as entendu Dundee, Fred? Ouais, je l'ai entendu parler, mais j'ai pas tout compris le message. C'est pour ça que je lui ai demandé de répéter. Ouais, ok, je reprends. Ouais, Dundee te disait que hier soir, là, il a eu l'heureux événement que sur les coups de minuit ou dans ces eaux-là, il y a Guyane qui est passée, donc en milieu de nuit, comme ça, il y a quelques petites ouvertures qui se sont faites et il a pu se faire plaisir d'entendre la Guyane, voire peut-être de faire un QSO avec, j'en sais rien. Tu me diras ça par retour par la suite, Andy. Mais bon, oui, comme tu disais, il y a quelques petites ouvertures, mais c'est sporadique. Il y a 2 ans de ça, quand j'ai repris la radio, là, à cette époque-ci, tous les soirs, tu avais des ouvertures sur le nord de France, tu avais des ouvertures sur ci, sur là. Là, c'est pas le cas cette année. Bon, mais écoute, hein, c'est pot de chagrin, hein, comme on dit, pot de chagrin. On verra l'année prochaine ou l'année après, il faut être patient. Hein. Sur la bande des 11 mètres, de toute façon, on est dans le creux, hein, dans le creux de la vague, et on remontera dans un an ou deux. Donc, ça va venir, Chila, toi, Denis. Alors, d'après des graphiques que j'ai vus, c'est cette année là que ça commence à remonter doucement, hein, vers le milieu d'année. Oui, apparemment, ce serait ça. Hein. Là, c'est vers le milieu d'année 2019 que là, on devrait commencer à remonter. Et là, par contre, moi, je remarque en ce moment, par rapport à ces derniers mois, on a de la propague, elle est très sporadique, mais beaucoup plus fréquente, quand même, malgré tout. Là, ça va durer 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, tout au plus. Alors, la Guyane, je l'ai entendu là tout à l'heure à 9h moins le quart, et hier soir, minuit moins le quart, je ne sais plus quel endroit c'était, bon bref, c'est arrivé de loin. Hein. C'est, je me souviens plus de quel endroit ça arrivait, mais c'était vraiment très loin. Et là, c'est vrai que là, en ce moment, la propague, elle est surtout du soir. Pourtant, Eric, hein, il a quand même eu la réunion là dans l'après-midi. Hein. Donc là, c'est quand même pas, ça commence à sentir bon là. Mais
mais écoute, pourvu que ça dure, hein, comme ça on pourra se faire plaisir et puis revenir un petit peu dans nos petites habitudes de contexte DX ou même de QSO, voir sur l'Hexagone, voir sur l'Europe, voir même plus loin. Hein. Tout le monde ne demande que ça, les QSO locaux, c'est sympa, c'est machin, tout le monde discute, c'est vrai. On s'amuse bien, on se connaît tous, plus ou moins, et puis, bon, des fois, le B.A.B.A. de la radio, des fois, c'est de faire des contacts plus éloignés, agis, et de se faire plaisir dans ce domaine-là. C'est le but recherché de tous les radios amateurs, enfin, tous les radios, non, tous les civistes, agis. Les radios amateurs, c'est la même chose, mais dans un autre domaine, agis. Ils ont plus d'ouverture. Je connais la cause parce que je, tôt ou tard, un jour ou l'autre, je passerai le cap. Et c'est en cours d'ailleurs. Achille, bon allez, je tiens le micro là, Fred, je te renvoie le micro dans la foulée. Je vous salue à tous, moi pour ma part je vais partir au 544. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée, Fred, Dundee, tous ceux qui seront à l'écoute aussi bien sûr, 14 44 06, Robert, Carian de Bordeaux, qui vous salue, Fred, je te renvoie le micro et à une prochaine à tous, à toi. Ok, mais écoute, je te souhaite un bon 544, bon, moi j'y suis pas encore, et c'est vendredi soir, donc je suis pas encore couché, Hachi. Et puis oui, comme tu disais, puis que là, pour ta remonte un petit peu, ouais, ça serait bien. Enfin, moi je sais pas, comme tu disais, comme dit Rémi, ça remonte un peu, je sais pas, moi de mon côté, là-bas, j'ai pas l'impression que ça remonte, parce que évidemment, je suis à la maison la journée, et on part une parasite, c'est tout ce que j'en parle, Hachi. Aïe, aïe. C'est chiant, c'est... Je suis pas très loin, je suis à peine à 160 km d'Espagne à peu près. J'entends un peu d'Espagne, mais après, j'entends pas grand-chose. Voilà. Donc je sais pas, peut-être que la pompe ne rentre pas de l'autre côté là-bas, je sais pas, mais de mon côté, moi, je trouve pas. Mais, écoute, c'est mon avis personnel, hein, c'est ce que je pense, moi, d'après ce que je constate. Voilà, après, je peux pas vous en dire plus. On est par contre, mais ouais, je te souhaite de la carrière avec le point 544. Ok, merci pour le retour de micro. Donc ouais, le bon 144 à toi. Moi là c'est pareil, là je vais passer QRT, je vais aller voir du côté des collègues là, là comment ça se passe là de leur côté, car là j'ai aucune nouvelle. Hachi. Donc je vais quand même aller m'inquiéter là des collègues. Ok, Fred, les bonnes 1351 à toi également. Bon QSO par la suite. Et oui, quand les QRMC là sont là, c'est chiant, ça te, comme qui dirait, ça bouche la vue. Enfin bon, bref, c'est, on choisit pas toujours là où on va, où on doit, où on a envie d'habiter. Et c'est vrai que c'est pas toujours très propre de ce côté-là. Ok, mais Fred, hein, je te retourne également les bottes 1351. Ouais, là, faut vraiment que j'y aille. Et bah, peut-être à demain soir, si tu es sur les ondes. Et pour ma part, ce sera depuis le QRA. Les 73 à tous, ainsi que les stations que j'ai entendu très très QRP là dans les lointains. Et à demain soir en QSO ou à plus tard dans la nuit sur les canaux supérieurs, vu que, qu'il y a de la propague qui est là. Merci, bye. Ok, 100% QSN, merci de ton passage, merci pour le QSO, bye. Bye bye à tous, bonne soirée, à la prochaine. Merci, bon 144, bye. Obrigado pelo carinho, a honra, a alegria, a satisfação.
écoutez, la propague est davantage sur les 40 canaux qu'en sup. Alors ça, c'est pas mal, ça. C'est pas banal, ça. Ah, si. Ah, si, si. Hop, la Sud-Amérique. Voilà, il est 22h25. Ah putain, pardon. Je crois que là, c'est le fameux canal 6. Si c'est bien ce que je pense, sur le canal 6 normal. Voilà, 27025. C'est les USA là qui sont là sur le. C'est leur canal cours de récréation, on va dire. Où... Ah non, ça parle pas anglais. Ça parle espagnol ou portugais, ou peut-être italien, je sais pas. Quoique. Enfin, on sent qu'il y a de l'activité. On sent qu'il y a, ouais, il y a de l'activité derrière, ça c'est certain. Il y a une grosse activité derrière quand même. Alors... Alors ici, en Lima Sierra Bravo, comme ça, c'est la fréquence d'appel au Québec. Que je suis là. Yep. Allez, 22h30. Ça, c'est un très bon signe, ça. Ouais, on va à nouveau se régaler, là, du côté des X. C'est bon, ça.